Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la justice de Dieu soit avec vous, que sa paix soit avec vous, que le Dieu de grâce, le Dieu de bonté soit avec vous. Il est Dieu, il est présent, il est Dieu, il est merveilleux, il est Dieu, il est le Tout-Puissant, il est Dieu, il est le Créateur. Dieu est notre secours. Il nous fait du bien, il nous amène la paix, il nous amène la vie, il nous amène la bonté, il nous amène la grâce divine. Bien-aimé, Dieu est toujours là pour ses enfants. Nous sommes son peuple, nous sommes les sacerdoces royaux. Dans son amour, dans sa bonté, il nous fait du bien. Il nous amène au sommet. Il nous rend puissants. Dieu, il est le Créateur, il est tout pour nous. Il est le Saint des Saints, il est le Tout-Puissant. Il est le Seigneur de gloire, il est la puissance divine. Quand il s'élève, il nous fait une grâce exceptionnelle. Quand il nous manifeste son amour, il nous bénit. Ce matin, nous sommes fidèles au rendez-vous. Parce que Dieu veut nous bénir. Nous allons tous, d'une seule voix, lui dire merci. Élevons nos voix et disons merci à notre Dieu, à notre Seigneur. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci le Créateur. Merci notre Libérateur. Merci le Dieu de grâce, le Dieu de puissance, le Dieu de grandeur et d'amour, nous te disons un grand merci. Merci Seigneur pour ta bonté divine. Merci Seigneur pour ta paix. Merci Seigneur pour ta joie. Tu es Dieu, tu es le Créateur. Tu es Dieu, tu es mon rocher. Tu es Dieu, tu es l'abondance. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Papa, en toi je vois la grandeur. En toi je vis la grâce. En toi je vis la paix. En toi, je vois la bonté divine de Yahweh. Je sais te dire un grand merci. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Merci, le Roi des Rois. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Créateur. Merci, le Rocher de tous les âges. Papa, tu es Saint. Papa, tu es Seigneur. Papa, tu es le Rocher. Papa, tu es le Seigneur des Seigneurs. Yahweh, tu manifestes ta grâce, tu manifestes ta puissance, tu manifestes ta bienveillance, tu manifestes ta grandeur, tu manifestes ta puissance. Papa, sois élevé, papa, sois glorifié, papa, sois sanctifié. Tu es Seigneur, tu es puissant, tu es le Roi des Rois. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Papa, fais quelque chose, Yahweh. Yahweh, tu es mon Dieu. Yahweh, tu es la sainteté. Yahweh, tu es la puissance divine. Papa, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'élever. Laisse-moi te glorifier. Laisse-moi te sanctifier. Laisse-moi te procurer de multiples actions de grâce. Papa, tu es Saint. Papa, tu es Seigneur. Papa, tu es le Roi des Rois. Papa, tu es la manne cachée. Papa, tu es la créativité. Papa, tu es le Seigneur de gloire. Papa, tu es le Rocher de tous les âges. Papa, tu es Dieu, tu es Saint. Ta puissance divine nous fait grâce, Papa. Mon Rocher, mon Dieu, mon Roi, Yesu. Tu es mon Seigneur, tu es mon Roi, tu es mon Roi, tu es le Tout-Puissant. Yahweh, fais-nous grâce, Yahweh, fais-nous grâce, Papa. Yesu, Yesu, Yesu Massia, Yesu Massia, Yesu mon Seigneur, Yesu mon Dieu, Yesu mon Roi, Yesu, tu es Seigneur, Yahweh, tu es Saint. Yahweh, tu es Seigneur. Yahweh, tu es Dieu. Papa,
Fais-moi vivre la grâce divine. Fais-moi vivre la puissance divine. Papa, Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es le Seigneur de gloire, tu es la sainteté de ma vie, tu es la puissance de ma vie. Papa, merci, merci mon Dieu, mon roi, merci le Dieu tout-puissant, merci le Créateur, merci le rocher de tous les âges, merci la sainteté de ma vie, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu réalises pour nous, Yesu, Yahweh, Papa, fais-nous grâce, Papa, fais-nous grâce, Yahweh, fais-nous grâce, mon Dieu, fais-nous grâce, le Seigneur de gloire, fais-nous grâce, Yahweh, Papa, laisse-moi t'adorer ce matin, laisse-moi, oh Yesu, Yesu Massia, Yesu Mokonzi, tu es mon Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Créateur, tu es le rocher des âges, tu es le Seigneur de gloire, tu es la sainteté, tu es la joie divine, Papa. Papa, tu m'as béni. Papa, tu m'as fait du bien. Yesu, tu réponds toujours à nos prières, Papa. Tu réponds toujours à nos demandes, Yahweh. Yesu, qu'est-ce que tu n'as pas réalisé pour nous? Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour tes enfants? Papa, tu accomplis de grandes choses, Yahweh. Tu fais que nous soyons toujours, Seigneur, en paix. Tu fais que nous puissions être toujours, Seigneur, dans la joie. Yesu, tu es mon secours. Jusqu'ici, tu nous as secouris. Jusqu'ici, tu nous as bénis. Jusqu'ici, tu nous as manifesté ton amour. Jusqu'ici, tu nous as manifesté ta bienveillance. Papa, nous voyons ta grâce divine, Papa. Nous voyons ta puissance divine, Yahweh. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas élever le nom de Jésus? Comment ne pas manifester la gloire de mon Seigneur? Yahweh, Papa, tu es ma délivrance. Tu es ma délivrance, Seigneur. Tu es ma vie, Yahweh. Tu es la paix de ma maison. Tu es la joie de ma vie. Tu es la joie de mes enfants. Tu es la joie de tout ce que nous possédons, Papa. Yahweh, tu nous amènes la paix, tu nous amènes la grâce, Yahweh. Papa, fais-nous grâce, Yahweh. Fais-nous vivre, Seigneur, ta miséricorde, Papa. Fais-nous vivre, Seigneur, ta puissance, Yahweh. Yesu Massia, Papa, tu m'accompagnes de partout. Papa, tu m'amènes, Yahweh, la grâce divine. Yesu, tu es l'accomplissement de ma vie. Tu es la bonté de ma vie, tu es la paix de ma vie, tu es la joie de ma vie, tu es la puissance de ma vie. À toi la gloire, à toi la grandeur, à toi la puissance, à toi la créativité, à toi la paix, à toi la joie, à toi la reconnaissance, Yahweh. Oh Yesu, tu m'as libéré, tu m'as béni, tu m'as amené la paix, tu m'as amené la joie. Tu m'as amené la grâce divine. Papa, sois loué, Seigneur. Sois loué, les saints des saints. Sois loué, les dieux de gloire. Sois loué, la sainteté divine. Sois loué, la puissance divine. Sois loué, la paix de ma vie. Sois loué, la bonté de ma vie. Sois loué, la créativité de ma vie. Sois loué, les dieux d'éternité en éternité. Sois loué, les dieux de paix. Sois loué, les dieux de joie. Sois loué le Créateur, sois loué le rocher, sois loué la manne cachée, sois loué le Dieu d'éternité en éternité, sois loué le Saint d'Israël, sois loué le Tout-Puissant, sois loué le Créateur, tu es Dieu, tu es Saint, tu es Dieu, tu es puissant, à toi la gloire, à toi la grandeur, à toi la puissance, à toi l'éternité en éternité, Papa tu es Saint. Papa, tu es Seigneur, Papa, tu es puissant, Papa, tu es mon libérateur, Papa, tu es le Créateur, Papa, tu es le rocher, tu es la manne cachée, tu es l'étoile du matin, tu
Tu es le rocher de tous les âges. À toi la gloire, à toi la grandeur, à toi la puissance, à toi la célébration, à toi le rocher, à toi la manne cachée, à toi l'étoile du matin. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever, laisse-moi te glorifier, laisse-moi te sanctifier. Tu es Dieu, tu es le Créateur, tu es le rocher de tous les âges. Tu m'as béni, tu m'as libéré. Papa, tu as mis la joie dans mon cœur. Tu as fait des choses étonnantes dans ma vie. Yesoyo, papa, quand tu te lèves, Yahweh, tu nous bénis. Quand tu te lèves, Yahweh, tu nous fais grâce. Quand tu te lèves, Yahweh, tu nous manifestes ton amour. Yesu Massia, Yahweh, sois glorifié. Sois sanctifié, Seigneur. Sois proclamé, mon Dieu. Sois proclamé, le Dieu de grâce. Sois proclamé, le Dieu de gloire. Sois proclamé, le Saint des saints. Sois proclamé, le rocher. Sois proclamé, la manne cachée. Papa, tu es Dieu. Papa, tu es saint. Tu es puissant. Yahweh, sois béni, le Dieu d'éternité en éternité. Sois béni, le rocher de tous les âges. Sois béni le rocher, sois béni la manne cachée, sois béni l'étoile du matin. Oh Yahweh, papa, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es l'éternel, le Dieu d'éternité en éternité, le Dieu de puissance et de gloire, le Dieu de liberté, le Dieu de grandeur, le Dieu de miracles. Papa, tu accomplis ton miracle, Yahweh, au sein de tes enfants, dans la vie de tes enfants. Tu amènes le miracle. Papa, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci le Tout-Puissant. Amen. Amen, 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 amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Que le Dieu de grâce et de gloire soit au contrôle de vos vies. Que le Saint d'Israël vous rend heureux. Soyez bénis, soyez bénis. Que celui qui dit un mot et cela s'accomplit puisse manifester sa gloire dans ta vie. Que tout ce qui lui dit s'accomplisse dans ta vie. Que les promesses de Dieu se réalisent maintenant ce matin dans ta vie. Que Dieu t'accorde la paix, la liberté et la joie. Que Dieu manifeste sa présence ce matin. Que Dieu te rend heureux. Sois heureux, sois heureux, sois heureux, sois heureux. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur, le Dieu de grâce et le Dieu de gloire, t'accompagne partout. Que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses soit pour vous un partage et une vie. Amen. Que tu vis dans la paix de l'Éternel. Soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, ce matin, nous allons encore élever la voix. Nous allons demander à Dieu de nous manifester sa volonté. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. La volonté de Dieu dans le ciel est que toi tu sois en santé. La volonté de Dieu dans le ciel est que toi tu sois en paix. La volonté de Dieu est que toi tu prospères. La volonté de Dieu est que toi tu réussisses. La volonté de l'Éternel est que tu domines. La volonté de l'Éternel est que tu assujettis. La volonté de l'Éternel est que tu puisses maintenant vivre la gloire de son nom. Car il a dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. Donc viens que tu puisses vivre dans la gloire. Dieu ne veut pas que tu vis dans les pleurs, dans l'angoisse, dans la tristesse, que tu sois mélancolique. Non. Quand tu te vois mélancolique, tu as une vie de tristesse, une vie qui ne manifeste pas la joie. Cela ne vient pas de la volonté de Dieu. Alléluia. Tu dois chercher la délivrance. Tu dois chercher la vie. Tu dois chercher la paix. Bien-aimés, nous allons élever la voix ce matin. Nous allons implorer Dieu. Nous allons supplier Dieu que sa volonté se manifeste dans notre vie.
prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens supplier l'Éternel, je viens supplier Dieu que sa volonté se manifeste dans ma vie, que sa volonté soit mon partage, Yahweh, que je vis la volonté de Dieu, que je vis la grâce de l'Éternel, que je vis la paix de mon Seigneur, Yahweh, je veux partager, Seigneur, ta volonté, Yahweh, je veux vivre ta volonté, je veux vivre la paix, je veux vivre la vie, je veux vivre la joie. Yahweh, manifeste ta volonté ce matin. Yahweh, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, mon Dieu. Étends ta main, les lieux de grâce. Yahweh, que ta volonté se fasse maintenant. Que la volonté de Dieu se manifeste maintenant. Que je vois la grâce divine. Que je vois la paix de Dieu. Yahweh, exerce ta volonté sur nous, Papa. Yahweh, Papa, n'est-ce pas toi qui m'a créé, n'est-ce pas toi qui m'a béni, Papa? Je veux vivre ta volonté, Yahweh, je ne veux pas être éloigné de ta volonté, Papa. Fais grâce, Yahweh, fais grâce, Seigneur, que ta volonté se fasse voir, que ta volonté se manifeste, Seigneur, Yahweh, que nous puissions vivre ta volonté, Yahweh, accompli, Seigneur, accompli de grandes choses, Papa. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Que la volonté de mon Seigneur, la volonté de mon Dieu, la volonté du Tout-Puissant s'exerce maintenant dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer. Yahweh, étends ta main, le Dieu de grâce, Yahweh. Oh, Yesonangaye, Papa, exerce ta volonté, exerce ta grâce, Yahweh, exerce ta grâce, mon Seigneur. Exerce ta grâce, Yahweh. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, mon Dieu. Fais grâce, le Dieu de gloire. Fais grâce, le Dieu de liberté. Papa, que ta volonté soit faite sur cette terre, Yahweh. Papa, que ta volonté se manifeste dans ma maison. Que nous prospérons. Que nous soyons en paix, Yahweh. Que nous puissions, Seigneur, dominer. Que nous soyons, Seigneur, Yahweh. Yahweh dominant, Papa, manifeste-toi, manifeste-toi, Papa. Papa, tu veux que nous soyons puissants. Yahweh, viens exercer ta volonté, viens exercer ta volonté, Yahweh. Que ta volonté, Yahweh, s'accomplisse dans nos affaires. Que ta volonté, Seigneur, s'accomplisse, Papa, dans tout ce que nous voulons faire, dans tout ce que nous voulons réaliser. Papa, nous voulons vivre, Seigneur, ta volonté, Yahweh, viens accomplir, Seigneur, ta volonté, Papa, maintenant, accomplis ta volonté, accomplis, Yahweh, fais-le, Papa, fais-le, Yahweh, fais-le, mon Seigneur, fais-le, le roi de gloire, fais-le, le saint des saints, Yahweh, toi que j'appelle le Dieu des changements, Papa, viens changer, Seigneur, Yahweh, 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 Papa, Yeso, viens changer ma vie, viens changer ma vie, viens changer, Yahweh, ma manière de marcher. Papa, manifeste-toi, 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 Papa, que je prospère, Papa, que je réussisse, Yahweh, que je puisse aller loin, Papa. Oh, Yeso, Yahweh, Papa, fais-moi grâce, Papa, fais-moi grâce, Papa, fais-moi grâce, Papa, fais-moi grâce, fais-moi grâce, Papa, que ta volonté se réalise, Papa, que ta volonté se manifeste maintenant. Oh, Yesu Masia, Papa, accorde-moi la paix, accorde-moi la guérison, accorde-moi la Yahweh, Yahweh, Papa, accorde-moi la richesse, Yahweh, parce que toi-même tu étais riche, Papa, tu t'es fait pauvre pour nous enrichir, Papa, d'où vient cette pauvreté, Yahweh, réalise ta volonté, d'où vient cette souffrance, Papa, nous refusons, Seigneur, tout ce qui peut bloquer, Papa, nos vies.
Papa, nous voulons ta volonté. Nous voulons ta volonté. Ta volonté, Papa. Oh, Yeso. Yeso, Massia. Agis, Seigneur. Exerce ta volonté. Papa, manifeste-toi. 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 Yahweh, que ta volonté se manifeste maintenant. Que ta volonté, Yahweh. Oh, Yeso. Yahweh, manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Papa. Délivre-nous, Papa, que ta volonté se manifeste, Yahweh. Papa, je ne suis pas créé pour que j'échoue. Yahweh, ta volonté que je réussisse, Seigneur. Ta volonté que mes enfants réussissent, Papa. Accorde la réussite à la vie de mes enfants. Accorde-nous, Seigneur, la réussite. Accorde-moi la réussite. Papa, fais-moi grâce, Papa. Accorde-moi la prospérité. Yahweh, viens manifester ta grâce, Yahweh. Oh, Yesonanga, Papa, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce, Yahweh. Accorde-moi ta grâce, Papa. Papa, accorde-moi ta grâce, Seigneur. Papa, fais-moi grâce, Yahweh. Papa, fais-moi grâce. Fais grâce à mes enfants. Fais grâce à ma femme, Yahweh. Yeso. Papa, manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu se manifestent en vous. Amen. Amen. Que la grandeur et la puissance de mon Seigneur soient votre partage. Amen. Que le Dieu qui est au ciel vous amène au sommet. Amen. Que Dieu vous manifeste son amour. Amen. Il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Amen. Il est Dieu, il est le Créateur. Bien-aimé, ce matin, je vais te dire une chose. Que Dieu, qui est au ciel, il entend les cris de ta voix ce matin. Sois rassuré que Dieu t'entend. Parce que tu lui appartiens. Tu es son peuple. Tu es le sacerdoce royal. Quand tu lui parles, Dieu t'entend. Que l'ennemi ne vienne pas te troubler. Est-ce que Dieu entend réellement? J'ai constaté dans cette génération maintenant, les gens ont du mal à croire aux choses de l'Éternel. Parce que vous écoutez des journalistes. Les journalistes ne sont pas de Dieu. Alléluia. Les journalistes font ce qu'on les a donné comme cours. Mais les journalistes ne connaissent rien de Dieu. Amen. Certains sont des ignorants. Amen. Qui ne comprennent pas les choses de Dieu, qui ne comprennent rien de la Bible. Ils lisent la Bible comme s'il y a un livre. La Bible n'est pas un livre. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la vie. La Bible, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est la parole. La Bible a une vie. Amen. Alors, quand tu te confies à ton intelligence, tu détruis ta foi. Amen. Je vous avais dit, ta volonté ne peut pas dépasser la volonté de Dieu. Quand tu vois que tu commences, ton intelligence ne peut pas dépasser l'intelligence de Dieu. Quand ton intelligence dépasse l'intelligence de Dieu, bien-aimé, tu es une parcelle, tu es une plante puissante. Tu es perdu. Le relais, celui qui prendra maintenant ta vie, c'est le diable. Ce n'est plus Dieu. Et quand t'ont dit à celui qui croit que son intelligence est supérieure à Dieu, que sa volonté prime sur la volonté de Dieu. Quand on lui dit tu es fils du diable, il se fâche. Il veut qu'il soit fils de Dieu. Mais il demande à un journaliste, dis-lui tu es fils du diable, il va se fâcher. Il va dire comment tu peux me traiter comme ça. Mais quand tu lui dis tu es un enfant de Dieu, il faut aller à l'église. Non. Ne me parle pas de la religion. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il veut au juste? Tu vois la faiblesse d'un journaliste. Alléluia. Vas-y, va, dis seulement, fais des déclarations sur l'internet. Tous ceux qui viennent pas sont des fils de diable. Tu vas voir comment tu seras bombardé par les gens, comment tu me juges. Oh, comment tu peux. Tu es en train de juger les gens. Mais on ne te juge pas. On constate ce que toi tu dis, ce que toi. Est-ce que tu te contredis toi-même? Tu ne veux pas être. Tu ne veux pas aller à l'église, tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, mais tu veux qu'on t'appelle fils de Dieu.
Mais si tu ne crois pas à Dieu, donc tu es fils du diable. Si Dieu le dit, celui qui croit, qui ne croit pas à moi, est déjà condamné. C'est ce que la Bible dit. Il n'appartient pas à moi, il appartient à qui? À l'autre. Il n'y a que deux personnes. Ou tu appartiens à Dieu ou tu appartiens au diable. Si tu ne veux pas les choses de Dieu, c'est que tu sais déjà là où tu appartiens. C'est pourquoi ma foi doit être basée sur Dieu. Je ne peux pas venir à l'église et ne pas y croire que Dieu fait les miracles. Je ne peux pas venir à l'église et ne pas croire que Dieu ne me répond pas. C'est que je perds mon temps. Si je viens à l'église parce que je sais que Dieu répond. Si je viens à l'église, je sais que Dieu fait les miracles. Alléluia. Parce que je m'attends à un miracle. Je veux que ce matin, là où tu es assis, là où tu me suis maintenant, que tu t'attends à un miracle. Amen. Amen. Que tu t'attends à un miracle. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quel que soit ce que le médecin dit, moi je crois à la guérison. Parce qu'il a dit par mes maîtres sûrs, nous sommes guéris. Mais comment je vais douter encore? Bien-aimé, moi je te demande de lire psaume, tous les livres des psaumes, pour voir la foi. Parce que lis sur toutes les parties qui ça concerne David, tu vas voir la grandeur de la foi que ça avait cet homme. Cet homme aussi croyait. Et lis aussi Élie. Tu vas voir la grandeur de la foi que ces hommes avaient. Même Élisée, tous ces prophètes-là manifestaient la foi. On vient te donner un bébé qui est mort. Alléluia. Amen. Élie, quand on a dit l'enfant est mort, Élie, est-ce qu'il a commencé à dire, hey, Seigneur, cette femme maintenant va me chasser? Non, Élie savait que Dieu lui avait dit, vas-y, j'ai ordonné à la veuve de te nourrir. Donc rien ne pouvait arriver à la veuve qui pouvait compromettre la promesse de Dieu. Donc cet enfant devait vivre pour que la promesse de Dieu se réalise. Il y a des choses qui peuvent te trouver dans l'intervalle de l'accomplissement de la promesse. Il y a des choses qui peuvent se retrouver là-dedans. Cela ne te détruira pas. Pourquoi? Parce que la promesse ne s'est pas encore réalisée. Toi, garde confiance en Dieu. Fais confiance à l'Éternel. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Ce matin, je vais lire un passage. Psaume 3:8 nous dit ceci. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Amen. Tu vas demander que Dieu bénisse ton église. Nous allons prier. Si tu as une église quelque part, que Dieu bénisse ton église. Que Dieu bénisse ton pasteur. Que Dieu bénisse. Quand on dit ton église, ce n'est pas le bâtiment que nous bénissons. Nous bénissons tous ceux qui sont à l'église. Pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi et moi. Et ça, l'église. Parce que des fois, quand on dit, prie pour que Dieu bénisse ton église, les gens disent, ah, ça, c'est l'affaire du pasteur. Non. Quand on bénit, on dit que Dieu bénit l'église. Donc, Dieu bénit toi. Il bénit ta sœur qui vient à l'église. Ton frère qui vient à l'église. Les enfants qui viennent à l'église, qu'ils soient bénis. C'est ça l'église. Amen. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas le bureau du pasteur. L'église, ce sont les humains qui viennent à cet endroit. Amen. Amen. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens implorer la grâce de l'Éternel. Que Dieu bénisse mon église et maintenant, Seigneur, bénis l'église. Yahweh, apporte la prospérité, apporte l'avancement, apporte la gloire. Bénis l'église, papa, bénis tout ce monde, Yahweh, qui appartient à Yahweh, à nos églises, papa, à tous les CCPV. Viens bénir les CCPV, Yahweh, bénis notre Église, papa, bénis tous les CCPV dans tous les territoires, là où ils se trouvent, que ce soit CCPV en Turquie, que ce soit CCPV à Kinshasa, Yahweh, que tu les bénisses, Yahweh, bénis-les, Yahweh, bénis-les, Seigneur, Yahweh, maintenant, Yahweh, il est temps de bénir, Yahweh, tous nos CCPV, Yeshua, nous voulons la bénédiction, que nous prospérons,
alors que le CCPV prospère, que le CCPV soit épanoui. Yahweh bénis, bénis notre église, papa, que les gens qui viennent puissent vivre le miracle, qu'ils témoignent la gloire de l'Éternel. Yahweh manifeste ta gloire sur tous nos bien-aimés. Yahweh, tous nos membres, papa, qu'ils soient bénis, ceux qui n'ont pas de papiers, qu'ils puissent avoir des papiers, ceux qui ne sont pas mariés, qu'ils se marient, papa, et ceux qui n'ont pas, Yahweh, un emploi stable, qui sont toujours sur appel, Yahweh, qu'ils puissent avoir un emploi permanent, qu'ils ne soient plus sur appel, Yahweh, papa, exerce maintenant, exerce ton pouvoir, exerce ta main, papa, je viens t'implorer, je viens t'implorer, une grâce, papa, incroyable, Yahweh, exerce-le, papa, bénis, Seigneur, bénis ton peuple, Yahweh, bénis ton peuple, Seigneur, Yahweh, viens nous bénir, papa, viens nous bénir, papa, viens nous bénir, fais quelque chose, Yahweh, oh, Yeshua Massia, bénis, papa, étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main, le Seigneur de gloire, le Dieu de puissance, Yahweh, je fais recours à toi, papa, je viens faire mon recours auprès de toi, Yahweh, papa, bénis tous nos CCPV, que nous puissions vivre, Seigneur, une grâce, Yahweh, une grâce incroyable, papa, Yahweh, viens changer notre histoire, change mon histoire, Yahweh, change mon histoire, papa, change l'histoire des CCPV, change l'histoire, Yahweh, de tous nos membres, papa, Yahweh, bénis l'église, papa, que ceux qui n'ont pas d'enfants, qu'ils puissent concevoir, ceux qui sont, Seigneur, papa, sans emploi, qu'ils trouvent l'emploi, ceux qui n'ont pas de papier, qu'ils trouvent le papier, Yahweh, maintenant, ceux qui sont, Seigneur, Yahweh, dans la souffrance, qu'ils sorte, Seigneur, de la souffrance, Yahweh. Papa, manifeste-toi. Yahweh, bénis, bénis les CCPV, que nous puissions vivre la bénédiction divine, papa. Et oh, Yahweh, amène l'élargissement, que nos églises, papa, commencent à acheter, commencent à acquérir. Maintenant, papa, que nous soyons dans l'abondance, que nous soyons dans l'abondance, que nous soyons dans la paix, Yahweh. Nous voulons la réalisation divine, papa. Exerce, Seigneur, ta grâce, Yahweh. Exerce ta puissance, papa. Yahweh, il n'y a que toi, papa, qui peut faire des choses incroyables pour nous. Yahweh, nous voulons te témoigner. Oh, Yeshua Massia, Yeshua Nanda, papa, manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Yahweh, papa, fais grâce, papa. Fais grâce, Yahweh. Yahweh, sors-nous des troubles, Seigneur. Papa, que nous puissions vivre la grâce, Yahweh. La grâce divine, papa. Yahweh, accomplis, Seigneur. Accomplis les grandes choses. Yeso, 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 Yahweh. Papa, que nous manquions de rien, papa. Que nous manquions de rien, Yahweh. Fais-nous grâce, Yahweh. Fais-nous grâce, mon Seigneur. Fais-nous grâce, le Dieu de puissance. Fais-nous grâce, papa. Que nos vies changent, Yahweh. Que nos vies soient transformées. Que nous puissions vivre la grâce divine, papa. Que nous puissions vivre la puissance divine. Oh, Yeshua Massia. Yeshua, Yeshua, le Dieu de grâce, le Dieu de grandeur, le Dieu de puissance, Yahweh, papa, n'est-ce pas toi qui efface nos larmes, papa? N'est-ce pas toi qui fais disparaître nos larmes? Papa, fais-le, papa. Fais-le ce matin, Yahweh. Que nos larmes soient séchées, papa. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, les troubles que l'ennemi nous amène, papa. Mais nous voulons vivre la paix. Nous voulons vivre la paix. Yahweh, papa, manifeste-toi au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés, psaume 20, le verset 5 nous dit ceci. Alléluia. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Amen. Alléluia. Bien-aimés, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Amen. Ce matin, je veux que tu demandes à Dieu.
qu'il te donne ce que ton cœur désire. Vous savez, des fois la souffrance, ce n'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose, mais des fois, ce que ton cœur désire, tu ne le reçois pas. Ça te rend malheureux. Pourquoi tu désires plusieurs choses, mais tu ne l'obtiens pas? Si tu n'es pas quelqu'un de caractère, ça peut t'amener des soucis. Ça peut blesser ton cœur. Alléluia, parce que tu n'arrives pas. Des fois, tu deviens même de mauvais caractère. Alléluia, tu deviens un problématique pour l'Église. Pourquoi? Parce que comme toi, tu n'arrives pas à tes fins, tu deviens colérique. Tout ce qu'on fait à l'Église pour toi, c'est un embêtement, c'est ceci. Des fois, tu ne veux pas côtoyer les autres. Pourquoi? Parce que tu as des soucis quotidiens. Alléluia. C'est ainsi, l'occasion est venue de demander, de supplier. Vous, bien aimé, c'est Dieu lui-même qui a dit, les inquiétudes manifestent l'incrédulité. L'incrédulité fait que le Saint-Esprit soit attristé. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Quand tu es incrédule, tu attristes le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. C'est ça qui fait que nos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce qu'on est incrédule. Malgré qu'on dit, demande à Dieu, des fois même quand je donne la requête, toi tu dis, est-ce que pareille chose se fera? Non, laisse-moi te dire, ça s'accomplira si tu crois. Si tu crois, ça va s'accomplir. Mais si tu as un cœur incrédule, Dieu ne fera rien. C'est pourquoi Jacques, quelque part, il dit, si tu doutes, n'espère plus. Oublie ta demande, parce que tu as douté. Il ne faut pas que tu puisses commencer à douter. Crois en Dieu. Bien aimé, je ne sais pas dans quelle langue je peux dire. Dieu est papa. Toi, tu es son fils, tu es son peuple. Supplie-les. Nous avons abondé la cahier. Supplie-les. Demande au Père. Il va te donner ce que tu veux. Amen. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. Amen. Nous allons demander à l'Éternel que Dieu Tout-Puissant puisse nous donner tout ce que nos cœurs désirent et qu'il accomplisse quoi? Nos projets. Amen. Tous tes projets. J'aime bien la manière dont le verset est écrit. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. David l'a vécu. David dans la Bible l'a vécu. Dieu a accompli tous ses projets. Est-ce qu'on peut élever la voix? Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens implorer à Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Yahweh, je viens t'implorer. Yahweh, Papa, accomplis, Papa, tous mes projets. Je viens te remettre, Yahweh, mes projets entre tes mains. Papa, c'est toi seul, Seigneur. C'est toi seul qui es au ciel. Yahweh, qui est capable, Yahweh, d'accomplir mes projets. Papa, je t'en supplie, mon Dieu, mon roi, je viens te supplier, Yahweh, tu connais les besoins de mon cœur. Yahweh, accomplis, Papa, Yahweh, accorde-moi tout ce que mon cœur désire. Papa, viens m'accorder ce que mon cœur désire. Yahweh, Papa, je te suis reconnaissant, accomplis les désirs de mon cœur. Accomplis le désir de mon cœur, Yahweh. Papa, fais-le, Yahweh. Fais-le, Seigneur. Yahweh, que mon cœur soit béni. Que mon cœur soit béni. Yahweh, manifeste-toi. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, le Saint des Saints. Accomplis le désir de mon cœur. Yahweh, je viens auprès de toi. Je viens auprès de toi, Seigneur. Je viens t'implorer. Je viens t'implorer, Yahweh. Écoute les cris de ma voix. Écoute les cris de ma voix, Seigneur. Papa, je t'en supplie, mon Dieu. Je viens te remettre mon cœur. Je viens te remettre ma vie. Yahweh, accomplis le désir de mon cœur. Papa, n'est-ce pas toi qui es Dieu? N'est-ce pas toi qui es saint? N'est-ce pas toi qui
qui est puissant, mais par toi qui es Seigneur. Yahweh, j'écris vers toi, Yahweh. J'écris vers toi, mon Seigneur. J'écris vers toi, mon Dieu, mon roi. Yahweh, le désir de mon cœur, que tu l'accomplisses, Yahweh. Accomplis-le, accomplis-le. Le Seigneur des rois, le Saint d'Israël, le rocher de tous les âges, papa. Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu Yahweh, tu es mon libérateur, tu es le Tout-Puissant, tu es le Créateur, tu es le rocher de tous les âges. Yahweh, tu connais le désir de mon cœur, tu connais les soucis de ma vie. Tu connais le souci de mon cœur, Yahweh. Yahweh, je viens implorer la grâce divine. Je viens implorer ta grâce. Je viens implorer ta grâce. Tu es le Dieu de mes souvenirs. Tu es le Dieu de ma vie. Yahweh, papa, tu es précieux. Tu es précieux à mes yeux. Yahweh, fais-moi grâce, Yahweh. Yahweh, tu ne m'as jamais abandonné. Yahweh, tu ne m'as jamais laissé tomber. Yahweh, tu n'as jamais laissé ma famille. Yahweh, tu n'as jamais laissé mes enfants. Papa, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, mon Dieu. Fais-moi grâce, mon roi. Fais-moi grâce, le Saint d'Israël. Fais-moi grâce, le rocher. Fais-moi grâce, la manne cachée. Yahweh, papa, je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, mon roi. Je te bénis, le Saint d'Israël. Je te bénis, le rocher. Je te bénis, la manne cachée. N'est-ce pas toi qui es victorieux? N'est-ce pas toi qui amène la paix? N'est-ce pas toi qui amène la vie? Papa, tu accomplis des choses étonnantes dans ma vie. Tu accomplis la grâce étonnante dans ma vie. Tu fais des choses qui m'étonnent jour et nuit. Yahweh, réalise, Seigneur, des grandes choses. Papa, fais-moi grâce. Papa, fais-moi grâce. Tu es Seigneur. N'est-ce pas toi qui m'accompagnes de partout, Yahweh? N'est-ce pas toi qui fais la joie de mon âme et de mon cœur? N'est-ce pas toi, papa, qui fais des choses qui étonnent, qui amènent la grâce divine, qui amènent la paix? Papa, tu ne m'as jamais laissé tomber, papa. Tu viens toujours à mon secours, Yahweh. Je te rends grâce, papa. Je te rends grâce, mon Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Et Jésus, Dieu est puissant, Dieu est Seigneur. Il est le Dieu de gloire, il est le Dieu de grâce. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Philippiens 4, 19, j'aime beaucoup ces versets. Écoutez ce que la Bible dit. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alléluia. Amen. Conformément à sa richesse. Quand tu regardes la richesse de Dieu, qui peut compter la richesse de Dieu? Qui peut compter les salaires de Dieu? Qui peut les compter? Parce que tout lui appartient. Amen. Le monde lui appartient. Amen. Les sous-sols lui appartient. Amen. Les ciels lui appartient. Alléluia. Tout lui appartient. Les eaux lui appartient. Tout ça lui appartient. Alléluia. Amen. Conformément à sa richesse. Et quand tu regardes la richesse de Dieu, c'est énorme. Alléluia. Et on dit que lui, il pourvoira à tous nos besoins. Amen. Maintenant, tu vas implorer Dieu. Tu dis, Seigneur, je te fais confiance. Pourvois à tous mes besoins. À tout. Que ce soit les besoins de tes enfants, que ce soit tes besoins, que ce soit les besoins de ton église. Dis, Seigneur, pourvois à tous nos besoins. Est-ce que tu veux que ton église puisse avoir une salle qui fait pure? Waouh! Alors, implore Dieu, que Dieu. Parce que ce sont tes besoins. L'église, c'est ta maison. Ce n'est pas la maison du pasteur. C'est ta maison. Ça fait partie de tes besoins. Ce que tu veux que ton église soit, implore Dieu, il va le faire. Ce que tu veux que ta maison soit, Dieu le fera. Est-ce qu'on peut prier?
Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens implorer Dieu. Yahweh, toi qui pourvois à tous les besoins. Papa, pourvois maintenant à tous les besoins. Yahweh, que j'ai pour ma maison, pour mes enfants, pour ma femme, Yahweh. Pourvois tous ces besoins. Pourvois tous les besoins de ma vie, Yahweh. Yahweh, je viens t'implorer. Je viens t'implorer. Je viens t'implorer. Yahweh, pourvois à tous mes besoins, pourvois aux besoins de mon église, aux besoins de ma famille, Yahweh, pourvois aux besoins de ma belle famille, Yahweh, je t'implore, papa, tu connais nos besoins, tu connais nos désirs, Yahweh, fais-le, fais-le, Yahweh, fais-le, Yahweh, fais-le, le Dieu de grâce, fais-le, le Dieu de sainteté, le Dieu de gloire et de puissance, Yahweh, toi qui pourvois aux besoins de tes enfants. Papa, écoute le cri de ma voix. Écoute-moi, papa, ce matin. Je viens t'implorer. Je viens t'implorer. Une grâce divine, Yahweh. Pourvois, papa. Pourvois tous mes besoins. Yahweh. Sors-moi de toutes les difficultés, papa, qui m'empêchent de vivre la grandeur et la gloire de ton Saint-Nom. Yahweh, tu connais. Tu connais mes besoins. Tu connais, Yahweh, ce que je désire. Tu connais, Seigneur, ce que je cherche, papa. Yahweh, papa, je tourne mon regard vers toi. Je tourne mon regard vers toi, Yahweh. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de grandeur. Tu es le Dieu de puissance. Yahweh, papa, tu m'entraînes, Yahweh, à vivre la grâce divine. Tu m'entraînes, Yahweh, à vivre ta puissance, Yahweh. Oh, Yesonanga, Yahweh. Yesonanga, Nkolo. Yesonanga, Mokonzi. Yokangai, Yokanga, Nzambe. Yokanga, Nkolo, Nabiyano. Yokanga, Longa, Nabasato. Yokanga, Nzambe. Nzambe, Nkembo. Nzambe, Nguya. Papa, Salanga, Nkolo. Salanga, Nkolo, Nzambe. Salanga, Nkolo, Yahweh. Nzambe, Nkolo. Yo papa, da sengi na yo Yahweh, yo nde muto tongaka, yo muto salaka, fidelite na yo mboni sabe panangai, Zambe, Yeso Yue, Yahweh, sembola loboko na yo, sembola mbuya na yo, sembola kembo na yo, sembola longa na yo, Zambe nangai, Zambe nanguya, Zambe nanguya. Nzambe yonde mokonzi, Nzambe yonde mokonzi, Nzambe yonde motambwisi, Nzambe yonde longa na basanto, Nzambe yonde victoire, papa sunganga, papa sunganga, papa, Yahweh, Yahweh, comble nous Seigneur. Comble nos besoins, papa. Comble nos besoins, Yahweh. Que nous puissions manquer de rien, papa. Tu connais nos besoins. Tu connais nos besoins, papa. Yahweh, comble-nous, papa. Comble-nous, Yahweh. Papa, nous t'implorons, Seigneur. Yahweh, que tu puisses nous combler ce matin. Tu connais les besoins de ton peuple, Yahweh. Tu connais ce que nous désirons. Yahweh, manifeste ta Seigneur. Manifeste ça, papa. Yahweh, Yeso, Yahweh, Yeso, Yahweh. Sois élevé, Yahweh. Sois élevé, mon Seigneur. Sois élevé, Yahweh. Ne laisse pas les ténèbres me perturber. Ne laisse pas les ténèbres me détruire, papa. Yeso, n'est-ce pas toi qui nous amène la prospérité? Papa, manifeste-toi au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimé, Esaïe 7, le verset 7 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amen, amen. Ils peuvent monter contre toi. Ils peuvent chercher à siéger ta vie. Ils peuvent commencer à proclamer des choses contre toi. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Bien-aimés, ils ont essayé de t'attaquer cette nuit dans tes rêves. Ils t'ont poursuivi dans tes rêves. Ils
t'ont fait voir que toi, même ce que le pasteur a déclaré hier, que c'était faux. Non, bien-aimé, ils sont en train de te mentir. Ces choses-là n'arriveront pas. Tu es un peuple acquis, un sacerdoce royal. Tu es le frère de Jésus. Alléluia. Quand tu lis dans les livres de Romains, Romains 8, amen, tu vas voir, Jésus dit que nous sommes ses frères. Alléluia. Alléluia. Donc que les ténèbres ne viennent pas te donner des discours mensongers pour te faire peur. Maintenant, nous allons prier contre toutes ces choses-là, contre toutes les menaces, contre tout ce qu'on dit. Nous allons déclarer que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Parce que je suis un peuple acquis, je suis un sacerdoce royal. Amen. Alléluia. Tu es un peuple acquis, tu es un sacerdoce royal, tu es une nation sainte. Les gens doivent t'envier. Alléluia. Les gens doivent t'envier. Amen. Que les ténèbres ne viennent pas te troubler. Que les ténèbres ne te fassent pas peur. Alléluia. Tu n'échoueras pas. Élevons nos voix et prions. Dans le nom de Jésus, je viens élever ma voix. Je viens glorifier le Dieu d'éternité en éternité. Yahweh, tout ce que les ténèbres est en train de bâtir, de proclamer maintenant, cela n'aura pas lieu dans ma vie. Cela ne se fera pas. Yahweh, cela ne va pas se réaliser. Je ne suis pas appelé à l'échec ni à la défaite. Yahweh, je ne crois pas au discours des ténèbres. Je ne crois pas à ce que les ténèbres est en train de montrer. Yahweh, papa, cela n'aura pas lieu. Cela ne se réalisera pas. Yahweh, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont prévu, tout ce qu'ils ont bâti, cela ne m'atteindra pas. Cela ne se réalisera pas. Yahweh, je détruis cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens détruire tous tes programmes, tous les programmes des ténèbres, Yahweh, tous les programmes des ténèbres. Je les détruis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, cela n'aura pas lieu. Cela ne se fera pas. Je les détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et qu'on salamate. Et qu'on conquise à ma tête. Bon zame à Zayangai. Yahweh, je détruis. Je détruis ces choses. Dans le nom de Jésus. 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 Je viens détruire. Je viens détruire la puissance de ces choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je ne céderai pas. Je ne céderai pas à la puissance démoniaque, à la puissance satanique. Yahweh, car je suis appelé à vivre ta grâce. Je suis appelé à vivre dans l'abondance. Je suis appelé à vivre la grâce divine. Yahweh, tout ce que les méchants ont en train de bâtir, cela n'aura pas lieu. Cela ne se fera pas. Je suis appelé à la gloire de l'Éternel. Je suis appelé à vivre la paix. Je suis appelé à dominer. Je suis appelé à vivre la grandeur. Yahweh, l'ennemi ne me détruira pas. L'ennemi n'effacera pas la gloire que tu as mis en moi. Papa, sois élevé, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'invoque les feux contre toute personne qui est dans les ténèbres, qui veut détruire ma vie, qu'il reçoit le feu. Yahweh, je viens détruire sa puissance, Yahweh, car cela n'aura pas lieu, cela ne se réalisera pas, cela ne se concrétisera pas. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je détruis. Je détruis, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est ténèbres, je le détruis dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens le détruire, je viens le saccager au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien aimé, nous allons prier la dernière requête. Il est écrit dans la Bible que David s'est battu avec les lions
et les ours, Dieu l'a délivré. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu qui a délivré David du lion et de l'ours, de Goliath, que ce Dieu-là te délivre maintenant de tous les géants de ta vie. Alléluia. Tous ceux qui t'amènent la souffrance, les géants qui sont dans ta vie, que Dieu te délivre ce matin. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens invoquer le feu que le Dieu qui a délivré David de tous les géants, que ce Dieu me délivre des géants qui se lèvent dans ma vie, les géants qui m'amènent de la souffrance. Yahweh, délivre-moi de ces géants, arrache-moi de la main de ces géants. Yahweh, je t'invoque, Yahweh, je viens t'invoquer, Yahweh, je viens t'invoquer, que tu me délivres des griffes de lion, des griffes de l'ours, des Goliath, Yahweh, tous ces géants qui se lèvent dans ma vie, qui m'inflige la souffrance, qui m'inflige la défaite. Yahweh, qui ne veut pas que je progresse. Yahweh, qui soit frappé par le feu. Feu. Que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu le frappe maintenant. Qu'il soit frappé par le feu. J'invoque le feu. J'invoque le feu. J'invoque le feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Que le feu. Que le feu. Que le feu. Que le feu consume maintenant toutes personnes qui se lèvent contre moi, qui se lèvent contre l'Église, qui se lèvent contre ma paix, soit frappé maintenant par le feu. J'invoque le feu, j'invoque le feu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, qui soit frappé par le feu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. J'invoque le feu, j'invoque le feu contre toutes personnes qui est en train d'anéantir ma vie, qui est en train d'anéantir la vie de mes enfants, qui est en train de détruire la vie de mes enfants, qui soit frappé par le feu. J'invoque le feu, tout géant qui se lève dans ma vie, qui ne veut pas que je sois dans la paix, soit frappé par le feu, soit démoli par le feu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu frappe maintenant tout géant qui se lève dans ma vie, qui soit frappé par le feu, qui soit détruit, qui soit démoli au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous. Ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit. Amen. Je vais aussi dire, j'ai constaté aussi, il y a certaines prédications qui font qu'on maintient l'enfant de Dieu dans la peur, dans l'oppression. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, dans tout ce qui peut nous arriver, Dieu nous délivre. Il ne faut pas que tu sois culpabilisé. Amen. Et Dieu nous pardonne quand nous lui demandons pardon. Amen. Il n'y a qu'un seul péché que Dieu a dit qu'il ne va pas pardonner, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais tout le reste, Dieu pardonne. Amen. Ne sois pas culpabilisé. Amen. Qu'on ne te maintient pas, qu'on te dit, tu n'es pas délivré totalement. Quelqu'un peut être délivré totalement. Amen. Amen. La délivrance est totale. La délivrance ne se fait pas partielle ni à moitié. La délivrance est totale. Amen. Que Dieu te bénisse. Sors de la peur. Sors de l'oppression, de certaines paroles que les hommes de Dieu disent. Sors de là. Amen. Amen. Sors de la culpabilité. Ne sois pas dans la culpabilité, même s'il dit, toi, tu as fait l'avortement, tu n'auras pas la paix. Ta vie est finie. Non. Si tu demandes pardon à Dieu, tu te repens. Dieu te pardonne cette faute. Amen. Et quand on prie pour toi, c'est fini, l'esprit de mort part, tu es libre. Amen. Libre et délivré totalement. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que Dieu t'assiste.
Aujourd'hui, je déclare une journée de miracles. Amen. Soyez bénis et bonne journée. On se retrouve le soir à 19h à l'église. On va faire Monday Fire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.